Merde. Parfait, et je passe avec ça. So let me introduce Denis Briand. He's freshly elected president of Debian France, and he's going to introduce the Debian France organization. Please welcome him. Thank you. Thank you. Okay. Bonjour tout le monde. Hello everyone. It will be the first talk in French, so I'm very sorry about that. So the slide is in English, so I hope you will understand it. Donc d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier principalement tout le staff qui a organisé la DebConf, ainsi que l'équipe vidéo qui a fait le déplacement pour venir couvrir l'événement. Et je vous invite à les applaudir. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais savoir parmi vous qui connaît Debian France. D'accord, donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Donc là, ça va être un petit talk très rapide, hein, ça va durer une petite quinzaine de minutes. Je vais juste vous présenter Debian, ce qu'on fait, Debian France, ce qu'on fait chez Debian France et ce qu'on projette de faire. L'objectif principal de Debian France, c'est de promouvoir le projet Debian en France et aussi de l'aider de manière financière, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Debian, le projet Debian ne peut pas recevoir de fonds, et nous sommes considérés comme une trusted organisation, ce qui nous permet de recevoir des dons pour Debian, pour le projet Debian. À la demande du Debian Project Leader, ces dons sont utilisés pour l'achat de matériel, par exemple, ou pour l'organisation d'événements tels les DebConf, l'achat de matériel, par exemple le matériel vidéo. Et le deuxième objectif de l'association, c'est de fédérer les contributeurs français en France. Voilà. Donc c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2006. Et donc la première mini-DebConf qui a été organisée a été faite en 2010 à Paris. S'en est suivi quelques mini-DebConf à Paris, puis après à Lyon. Il y a eu une petite pause entre-temps, et puis mini-DebConf à Toulouse a été organisée il y a 2 ans de ça, et aujourd'hui à Marseille. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que ce Tour de France continue à être réalisé, et on reviendra bien sûr à Paris, on pense à nos amis parisiens, bien entendu. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer ce Tour de France des mini-DebConf. Ça permet de fédérer un maximum de personnes dans tout l'Hexagone. Donc, comme je disais, l'association Debian France est une trusted organisation, selon Debian, depuis 2014. Donc, il y a trois associations qui sont trusted organisations pour Debian. On a SPI, Software in Public Interest, qui est basée aux États-Unis. On a Debian France nous-mêmes, et nous avons aussi Debian Suisse. Nos activités principales, c'est l'organisation mini-DebConf, comme aujourd'hui, mais c'est aussi des bug squashing parties. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un regroupement où pendant une journée ou deux, on règle tous les bugs critiques de Debian avant une release, généralement, c'est comme ça qu'on procède. Nous organisons aussi des meet-ups, qui sont voilà, de manière peut-être un peu plus informelle que des mini-DebConf. Donc ça, ces meet-up peuvent être organisés de manière très spontanée. Il suffit d'avoir une salle de disponible, à l'occasion d'une soirée par exemple. Et bien sûr, nous couvrons les événements. Nous sommes présents à des stands à de nombreux événements en France. Alors, il faut savoir que le bureau, le CA a changé très récemment de manière assez conséquente. On a une nouvelle équipe qui est motivée. Je tiens à remercier Nicolas Dandrimont, voilà, qui nous transmet beaucoup de choses, qui va continuer certainement à nous en transmettre, j'espère, parce qu'on a besoin de son aide. Voilà, il va prendre une retraite bien méritée. Voilà, pour présenter, donc on pouvait nous joindre à ces coordonnées que vous pouvez voir, hein, président, trésorier et secrétaire, et nous avons l'ensemble du CA. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont présentes ici, je vous invite à venir nous retrouver à la pause ou même demain. Voilà, donc il y a bien sûr moi-même, le secrétaire Alban Vidal qui est ici, nous avons Grégory Colpart qui est ici, qui a organisé l'ami DebConf, Jean-Philippe Mangol qui est là également, Quentin Lejar. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver, à discuter avec nous, et vous allez voir pourquoi après, parce que je vais parler des futurs projets. Alors, pour l'instant, les futurs projets, donc comme je vous expliquais, le CA a été fraîchement élu, mais on a déjà pas mal d'idées en tête. Là, prochainement, le 27 juin, nous avons un meet-up à Bordeaux qui co-organisé avec le GUL de Gironde, qui s'appelle Girol. Nous avons ensuite, le 27 et 30 juin, un stand qui est tenu à l'occasion d'un événement qui s'appelle Passage en scène, qui se passera à Paris. Passage en scène, c'est un événement autour du logiciel libre. En novembre 2019, il faut savoir que nous avons notre traditionnel Capitole du libre, qui se tiendra généralement deuxième week-end du mois de novembre. Je n'ai pas encore la date. Donc là, pareil, nous tiendrons un stand. Et je pense également que nous allons réaliser un petit talk pour présenter Debian et Debian France à cette occasion-là. Le 10 et le 11 décembre, nous allons tenir bien sûr le stand au Paris Open Summit. Et bien sûr, votre contribution et vos idées sont les bienvenues. Donc, je vous propose à la fin de ce talk de me les proposer, pourquoi pas, et puis de venir en discuter de manière tout à fait informelle. Et voilà ce que j'aimerais, une mini-DebConf en 2020, parce que malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas eu de mini-DebConf. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir une mini-DebConf tous les ans. Mes yeux se portent vers Bordeaux. Nous avons des volontaires sur Bordeaux. Pourquoi pas, si nous avons d'autres volontaires sur Bordeaux qui seraient prêts à nous aider, ils sont les bienvenus. Nous avons vraiment besoin d'aide. L'organisation de mini-DebConf, c'est beaucoup de travail. Mais c'est énormément beaucoup de satisfaction quand on peut se rencontrer tous ensemble, se retrouver. Ce sont des moments importants dans la vie de Debian. Je voulais aussi revenir sur les stands. Excusez-moi, je reviens sur les stands. Sur les stands, généralement, on vend aussi des goodies. Ces goodies, il faut savoir que les sous sont donc bien sûr encaissés par Debian France. Debian France tient une double comptabilité. Il tient la comptabilité pour Debian France et pour Debian. Les sous Debian ne sont pas touchés par Debian France. Ce qu'on fait régulièrement, c'est que tous les sous qu'on a gagnés grâce aux ventes de goodies sont reversés à Debian sous forme de dons. Donc on fait ça généralement à l'occasion de l'AG. Tous les ans, on fait un petit versement si les résultats étaient excédentaires. Comment vous aider ? Eh bien, en faisant un don. Donc, vous avez l'adresse pour faire le don, ça marche en PayPal, sur notre site internet. Et bien sûr, et surtout, voilà, s'impliquer dans notre association en devenant membre, en proposant des idées, en proposant des événements. Tout le monde est capable et est bienvenu pour venir nous proposer des idées. Voilà, ça c'est très, très important, puisque sans bénévoles, sans volontaires, l'association n'existerait pas, tout simplement. Comment nous contacter? Alors, il y a plusieurs canaux de communication officiels pour nous contacter. Nous avons tout d'abord la mailing list, qui est donc asso@france.debian.net. Cette liste donc est publique, c'est le point d'entrée pour l'association. Nous avons aussi, de manière un peu plus informelle, un canal IRC sur ftc.net. Et pour des communications un peu plus privées, vous pouvez contacter, si vous voulez contacter directement le CA, vous avez ca@france.debian.net. Vous pouvez aussi vous adhérer directement à l'association via le site internet, avec l'adresse qui s'affiche sous vos yeux. Voilà, j'ai fini pour la présentation de Debian France. Je vous avais promis que ce serait très très rapide. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos idées. Ou de vos questions. français, en anglais. Okay. Est-ce qu'il y a des perspectives pour que, au moins à long terme, peut-être que les dons reçus par Debian France puissent servir aussi à financer du travail de dev, de packaging, de documentation, ou alors qu'on puisse cibler des dons qu'on veut dire, je veux que mon don serve à cette partie de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le projet Debian, tout le monde est bénévole, donc déjà. Après, oui, nous avons des consultants. Nous avons des consultants, bien sûr, mais c'est le principe. Après, non, je ne peux pas trop répondre à cette question, en fait, puisque je ne vois pas comment on pourrait, sous quels critères, en fait, on pourrait financer tel et tel travail, en fait. Je ne vois pas qu'en fait, comment on pourrait dire, ce travail-là, on peut le financer et pas ce travail-là, plus qu'un autre. Alors quelque chose de plus informel, ça peut être, sur la page de dons, mettre aussi une liste d'individus ou d'entités qui, eux, peuvent recevoir des dons pour du travail sur Debian, et après, libre à chacun de juger si ça nous intéresse. Bon, évidemment, vous ne mettez pas n'importe qui présente recevoir des dons pour Debian, mais quelque chose pour aiguiller les gens qui veulent payer leur logiciel libre et qui veulent le payer pour que les gens puissent au moins en partie en vivre. Les dons qui sont faits pour Debian vont être investis pour le projet, donc c'est une manière, comme tu dis, de remercier. Ils sont investis, voilà, en matériel, en humain, tout simplement avec l'organisation de ces événements, des événements comme celui-là. L'association a participé, oui. Le matériel vidéo. Le matériel vidéo, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Il appartient à Debian France. C'est Debian France qui l'a payé sur le budget de Debian, par exemple. Merci Nicolas pour ton intervention. Any question? Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation de Debian France. Merci beaucoup. Thank you, Denis, very much for this presentation.